Ah. Je fais les deux. Trois. Ah, bah voilà, trois, on en a vu voler trois. Ils sont à la pointe alors, où est-ce qu'il est ? Je suis originaire de Mézières-lès-Vic en Moselle. J'ai un parcours scolaire où j'ai eu un diplôme d'ingénieur agronome à l'ENSAIA à Nancy. Et puis je me suis un petit peu intéressée à l'environnement après avoir fait cette formation en agronomie, suite à une conférence en fait réalisée par Alain Salvi à laquelle j'ai assisté, qui est président du Conservatoire des sites lorrains. Dans le cadre de sa politique en faveur de la biodiversité, la région Lorraine a créé 6 réserves naturelles depuis 2006. Elle en a confié la gestion au Conservatoire des sites lorrains, une association qui œuvre depuis les années 80 à la préservation du patrimoine, avec qui elle travaille en étroit partenariat. Loin des habitations, une réserve est un cœur de nature qui répond à des enjeux forts en matière d'écologie. Delphine gère ce secteur de 360 hectares au sud de Bayon, une zone elle-même au cœur d'un site classé Natura 2000. Cette rivière a une dynamique fluviale importante, donc le Lys bouge latéralement et contribue à la richesse des milieux et des espèces. Donc on a une diversité d'habitats très importante en fait sur le secteur, avec des bancs de gravier, des berges érodées. On a la plus grande superficie de forêt alluviale de Lorraine et puis tout un tas d'espèces qui sont inféodées à ces milieux. Durant les années 80, une quinzaine de castors d'Europe a été réintroduite. Aujourd'hui, on en dénombre environ 700. La diversité des oiseaux vivants dans les environs est aussi remarquable. Une centaine d'espèces survolent le site. Parmi elles, les hirondelles de rivage, qui nichent dans les berges. Les hirondelles sont en train de creuser leur nid et puis d'amener des brindilles. Elles font des allers-retours. Un trou représente en fait un nid. Hein. Ou le petit gravelot qui se confond avec les galets de la rivière. Ah bah voilà la petite plante protégée là. On dénombre aussi des espèces de plantes protégées, comme la scabieuse des prés ou l'orchidée morio. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Delphine. Ça va bien ? Bah oui, ça va très bien et vous ? Ça va. En tant que conservatrice, j'interviens beaucoup auprès des acteurs du territoire. Donc je rencontre les maires, les agriculteurs, je travaille avec les pêcheurs, les chasseurs, tous les gens qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre sur la réserve pour essayer de contribuer à la préservation et à la gestion de ce site emblématique. Delphine est très importante dans notre fonctionnement journalier pour nous maires, puisque on sait que sur notre territoire, quelqu'un est là. La conservation ou la protection qui était faite par un bail emphytéotique était plus une protection administrative qu'autre, alors que là, on a une protection réelle. Dans cette vallée, l'agriculture demeure l'une des principales activités économiques. Delphine rencontre les agriculteurs pour les amener à favoriser des pratiques respectueuses de l'environnement. Monsieur Dino. Bonjour Delphine. Vous allez bien ? Oui, ça va. En s'engageant à limiter l'utilisation d'engrais néfastes pour la biodiversité, il bénéficie d'une compensation financière. À ce jour, 22 agriculteurs de la vallée se sont déjà engagés. Enfin, si elle mise avant tout sur la concertation et le dialogue, notre conservatrice a désormais un pouvoir de police. Quelqu'un qui vide ses déchets dans la réserve peut être passible d'une amende, tandis que la destruction d'espèces protégées peut relever de la justice pénale. Aujourd'hui, la réserve naturelle a un statut de protection très fort, mais l'enjeu pour nous maintenant, c'est d'essayer de protéger les zones qui ne le sont pas encore, et notamment protéger de l'exploitation des granulats, qui a des conséquences majeures sur la dynamique latérale de la rivière et toute la biodiversité qui en découle. Mais bon, moi je suis plutôt optimiste par rapport à tout ça et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des gens aujourd'hui.